Thank you. Bonjour Sophie Clavel, et d'abord merci de nous avoir reçus chez vous, euh, de nous avoir accueillis, euh, offert le café et joué le, de la harpe. Euh, donc nous sommes mardi 20 mai 2014. Euh, J'avais remarqué en fait euh, votre voiture en sortant de ma banque euh, qui comportait une petite publicité euh, discrète euh, Aquitaine Musique. Donc vous allez nous parler d'Aquitaine Musique d'abord alors euh, bonjour. bonjour. Et euh, Aquitaine Musique, c'est le nom du site euh, auquel appartient Harp euh, euh, en Périgord et mes activités. Alors ça s'appelle Aquitaine Musique parce que d'abord ça commence par un A, et quand les personnes qui veulent visiter un site et tapent Aquitaine. Pour de la musique, ça sera systématiquement toujours Aquitaine Musique qui apparaîtra en premier. Ils n'ont pas besoin, besoin d'aller jusqu'à la page 10 pour me retrouver. Donc c'était plutôt une, une idée stratégique. Et euh, quand j'ai créé Aquitaine Musique, c'était euh, principalement en arrivant en France pour pouvoir euh, euh, légaliser mes activités en tant que harpiste et professeur. Après, plus tard, euh, en 2008, euh, j'ai créé l'association Harpe en Périgord. Donc vous avez effectivement sur, sur ma voiture, il y a Arp en Périgord et en dessous l'adresse pour contacter euh, Harp en Périgord à de musique Oui parce qu'à Bergerac, euh, il y a de la harpe, c'est ça dont aussi vous voulez parler Oui, alors il y a, il y a de la harpe ben, grâce à moi puisqu'il n'y avait pas de harpe avant que j'arrive. Et j'ai créé donc par cette association harpe en Périgord euh, une classe de harpe qui, est, euh, qui siège euh, à l'école de musique de Bergerac. Donc la mairie de Bergerac nous prête une salle. Dans laquelle je peux pratiquer et ça permet à, à tous les élèves de harpe de fréquenter aussi des élèves dans d'autres instruments et moi aussi d'avoir des collègues de travail, ce qui est quand même assez agréable. Vous avez une vingtaine d'élèves et des collègues J'ai une vingtaine d'élèves, des collègues qui sont par piste, mais d'autres musiciens avec qui je fais des concerts et les 20 élèves que j'ai, c'est réparti entre des, des jeunes et puis des, des moins jeunes. Alors, euh, précisez euh, un petit peu où, où c'est exactement. Je... Alors, l'école de musique est donc euh, à Bergerac, euh, sur la rive gauche, et euh, Arpent-Périgord euh, travaille dans la salle 8 de l'école de musique. D'accord. Alors, vous, vous reveniez de Taïwan, il me semble. Oui, j'ai travaillé euh, 21 ans à Taïwan, et avant Taïwan, j'étais 4 ans aux États-Unis, euh, donc je me suis expatriée euh, en 1981. Et je suis revenue en 2006. L'histoire avec Harpe en Périgord, comme vous avez raconté, c'était que l'instrument euh, est plus facile pour, pour vos élèves. Alors, euh, disons que j'ai voulu euh, un petit peu casser des préjugés que l'on a sur la harpe au départ, euh, sachant que euh, c'est vrai que c'est assez imposant comme instrument. Quand on voit une harpe de concert, c'est assez gros. Euh, mais malgré tout, avant d'en arriver à l'harpe de concert, il y a d'autres instruments, d'autres harpes, euh, qui, qui partent donc de l'art celtique, et qui, au fur et à mesure que l'on fait des progrès, on peut changer d'instrument ou rester avec l'art celtique. Et, et on fait des progrès, on veut se diriger dans un, arpe, dans un, un répertoire classique. Dans ces cas-là, on quitte l'art celtique pour se mettre à l'harpe à pédale. Et petit à petit, euh, dans les harpes à pédale, il y a des harpes de 34 cordes, jusqu'à ce qu'on arrive progressivement à la grandeur du concert, qui en a 47. Et donc, en créant cette association, euh, j'ai un partenariat avec le, le facteur français euh, Camac, qui est basé à Nantes, euh, qui très gentiment euh, nous prête quatre harpes celtiques que moi-même je prête pendant un an euh, aux nouveaux arrivés, euh, donc des, des, des élèves, euh, soit des jeunes, soit des adultes. Et on prête cette harpe pendant une année gratuitement. Ça permet à l'élève de savoir d'abord si ça lui plaît, si le professeur lui plaît, si les cours conviennent, le répertoire que l'on aborde leur convient aussi, les activités au sein de l'ARPE en Périgord leur convient aussi, et si euh, bah les parents sont prêts à investir et aller un petit peu plus loin. Dans, dans les études d'art pour leurs enfants. Donc pendant une année, on a quand même le temps de voir euh, si, si son enfant est vraiment accroché, s'il travaille bien, si ça lui plaît. Euh, pour les adultes, bon, ça c'est autre chose. Les adultes en général, quand ils décident de faire de l'art, c'est parce qu'ils ont bien réfléchi avant. Donc ça c'est une autre, une autre approche. Et au bout d'une année, si on a euh, des nouveaux arrivants, dans ces cas-là, on doit, euh, je suis obligée de demander euh, à ce qu'on me rende la harpe prêtée. Et à ce moment-là, euh, les élèves ou les parents doivent s'engager vis-à-vis euh, -vis de Kamak ou autrement. Ils doivent se débrouiller, eux, pour trouver une harpe. Alors, il y a différentes façons. Ça peut être un leasing, ça peut être simplement une location, euh, ou, ou alors un achat. Un achat, c'est euh, tout de suite une certaine somme ben, Ça dépend comment vous le voyez, parce qu'un achat, une harpe d'occasion, une harpe celtique d'occasion, ça peut aller de 700 euros à 1800 euros en occasion. Mais si vous voulez avoir une harpe neuve... Euh, vous pouvez avoir euh, euh, 2500 euros, mais ça c'est une petite harpe, jusqu'à euh, 3200 euros pour une harpe celtique de 34 cordes. Alors, euh, quelle est la différence entre la, la harpe et la lyre Alors, euh, la lyre, c'est un instrument qui a une forme de U et qui était euh, porté euh, contre l'épaule, droite principalement et qu'on jouait, qui, qui avait un, un nombre extrêmement limité de, de cordes, je pense que je vais vous dire des bêtises, mais entre 10 et 15 cordes, pas plus. Euh, donc il y a une, une tessiture très, très limitée, donc on est aussi limité dans le répertoire, et c'était surtout un instrument qui était euh, utilisé pour accompagner les chants. Euh, C'était utilisé surtout euh, dans la période de, du Moyen-Âge. Après, avec l'évolution de la musique, on a eu un besoin pour avoir euh, un instrument un petit peu plus grand qui est euh, plus d'octaves pour apporter, aborder un répertoire plus grand. Euh, donc, inévitablement, euh, la lyre progressivement a effectivement évolué. On lui a rajouté des cordes. On rajoute des cordes, il y a une tension plus grande. Ça, ça entraîne l'évolution de, de l'instrument en soi. Et donc, on, on est passé de la lyre à l'art celtique à cause de ça. On avait besoin de plus de cordes. Donc ça, ça peut se dater, ça La lyre, je serais absolument incapable de vous la dater. Et la harpe euh, La harpe, oui. Alors, on a trouvé des harpes dans, des, dans la ville d'Ur, qui était en Mésopotamie, une des, une des plus anciennes villes antiques. Et là, on a trouvé une petite statuette funéraire euh, avec une harpe, euh, la petite statue, c'est une personne qui joue de l'harpe sur ses genoux, qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Oui, quand même. D'ailleurs, l'harpe est un des plus anciens instruments. On le retrouve dans la Bible avec euh, l'Ancien Testament, avec le roi David, euh, qui était fou et qui jouait de l'harpe pour euh, calmer ses esprits. Donc, il y a, euh, vous avez tout dit, en quelque sorte, si on le retrouve dans l'Ancien Testament, on retrouve un petit, toujours le même euh, style de musique euh, que l'on peut faire euh, alors, le même style euh, peut-être pas vraiment ce qu'on joue maintenant parce que maintenant c'est vrai qu'on retourne un petit peu dans les musiques traditionnelles. Euh, les, le style de musique qu'on jouait à cette époque-là euh, je pense pas qu'il y avait des partitions. je pense que c'était travailler à l'oreille pour accompagner le chant et c'est qu'à partir du chant grégorien qu'on commence à trouver euh, des partitions avec des notes écrites. Mais sinon, avant, c'était euh, du professeur à élève qui se passait les mélodies, les accords. Il y avait des, euh, comme vous disiez euh, tout à l'heure, une tablature euh, pour, les, pour les accords, pour accompagner. C'était plus un instrument d'accompagnement. Mmh. Euh, vos élèves euh, a, apprécient de, de démarrer avec euh, des, des, des morceaux précis ou, ou c'est vous qui leur proposez des, des morceaux Alors, moi, avant tout. Euh, je demande aux élèves euh, ce qu'ils ont envie de jouer comme musique. Alors, quelquefois, il y en a, souvent, il y en a qui veulent simplement s'orienter vers la musique traditionnelle, c'est-à-dire euh, euh, la musique des troubadours, euh, des ménestrels, euh, de la musique de Bretagne ou de la musique euh, irlandaise, des mélodies écossaises ou anglaises, des vieilles mélodies, ou alors, euh, s'ils veulent s'orienter vers de la musique classique. Ensuite, euh, s'ils sont d'accord pour euh, avoir des bonnes bases de technique, donc dans ces cas-là, aborder euh, inévitablement une méthode de harpe. Alors selon l'âge de l'élève, je choisis une méthode euh, une méthode qui s'adaptera euh, à l'âge. Donc pour les enfants, ça sera plutôt une méthode plutôt ludique. Et après, pour les adultes, une méthode où euh, on n'a pas besoin de s'étendre dans des explications, parce que d'abord, la plupart des adultes lisent quand même déjà la musique. Et après, des, des études et aborder ensuite des morceaux. La question me revient incessamment pour toutes sortes d'instruments et je me demande, c'est peut-être pour ça que moi je ne suis pas allé si loin que ça pour apprendre la musique, parce que je me suis dit peut-être qu'il fallait beaucoup de temps pour ça, c'est l'improvisation, comment et quand peut-on dire que l'on peut jouer tout ce que l'on veut Alors il ne faut pas confondre l'improvisation et jouer ce qu'on veut. Oui. Alors jouer, jouer ce qu'on veut... À mon avis, je le comprends, euh, on prend une partition, on la met sur son pupitre et on peut aborder n'importe quel genre de musique. Euh, D'abord, euh, on a toujours des difficultés, hein. moi-même avec un entendeur derrière, j'ai toujours des, des morceaux qui présentent des difficultés techniques ou d'interprétation, mais ça, ça fait partie du métier. Euh, et on peut, pour pouvoir aborder n'importe quelle musique, n'importe quel répertoire, euh, faut déjà bien connaître le solfège, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une bonne lecture de notes. Donc, à l'harpe, c'est comme le piano, il faut pouvoir lire en clé de sol et en clé de fa. La clé de sol pour la main droite, la clé de fa pour la main gauche. Avoir des bonnes notions rythmiques. À ce moment-là, on pourra aborder n'importe quel répertoire. Après, euh, l'improvisation, c'est autre chose. On peut très bien euh, improviser sans connaître la musique, juste, sans lire la musique. Euh, dans ces cas-là, il faut avoir une excellente oreille. Euh, avoir euh, excellente oreille, c'est-à-dire identifier. Une mélodie sans mettre un nom sur la note et pour être capable de mettre un accord dessus, qui ne soit pas dissonant. Euh, après l'improvisation, il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut avoir une grande connaissance quand même euh, d'un certain répertoire pour pouvoir se lancer dans l'improvisation, parce que malgré tout, l'improvisation à la base, ça n'est pas n'importe quoi. Pour faire une belle improvisation, il faut quand même avoir des certaines, enfin, une certaine connaissance de base. Sur la progression des accords, euh, le rythme, l'improvisation en jazz, l'improvisation classique. Euh, on entend une mélodie classique, il faut pouvoir euh, tout de suite faire un accompagnement dessus. Il euh, faut, faut avoir quand même une, une certaine culture musicale. Alors, pour qu'il n'y ait pas de dissonance euh, dans les accords dans, en improvisant, il faut des gammes Alors, ça n'est pas, pas nécessairement des gammes. En général, quand on accompagne, euh, c'est surtout en harmonie. Donc, ce sont des accords, une superposition de notes. Euh, la gamme, ça ferait plutôt partie d'une mélodie. Donc, vous pouvez très bien improviser, improviser une mélodie à la harpe, à la main droite, et avoir la main gauche qui fait les accords. Euh, donc, on est tout à fait indépendant, comme le piano, euh, pour improviser ou l'orgue ou le clavecin, tous les instruments qui lisent en deux clés. Alors, euh, <coughs> apprend-on la harpe comme n'importe quel instrument Ah oui, absolument, tout à fait. Alors, l'avantage de la c'est comme le piano, c'est qu'au moins... Euh, dès qu'on qu a posé ses doigts sur les cordes et qu'on joue, on a tout de suite un très joli son. Donc on se fait plaisir tout de suite. À la seconde, on est content. Alors qu'effectivement, euh, les instruments avant ou à cordes, euh, ça demande un apprentissage beaucoup plus long euh, pour obtenir un son qui soit joli. Alors c'est vrai que cet aspect-là de la harpe peut attirer beaucoup de personnes parce que justement, même en ayant un niveau de débutant, on se fait plaisir en jouant des morceaux, même faciles, mais qui sont quand même jolis. La harpe fait penser souvent à quelque chose de voluptueux une musique qui euh, appelle à quelque chose de dansant euh, une danse assez posée calme et, et, et euh, disons euh, lente et finalement euh, c'est pas toujours le cas non c'est pas toujours le cas mais c'est vrai que euh, du fait de, du son que l'on produit avec la harpe euh, certains effets que l'on peut faire à la harpe. Euh, ça peut très bien rappeler euh, l'eau, les cascades, ça peut avoir un, un aspect un petit peu aéré avec des, des sonorités très fines, très délicates. Ensuite, on couvre une tessiture très aiguë euh, jusqu'au grave. Euh, on peut jouer, euh, comme je vous le disais, ça, ça peut avoir un aspect très apaisant aussi, mais c'est la façon dont vous jouez. Et le, réper le répertoire qu'on aborde, mais il y a effectivement euh, cet aspect-là, mais il y a aussi un autre aspect. Ça peut être dansant et posé, mais ça peut être aussi euh, dansant très entraînant et un petit peu plus euh, agité. Alors, on va en venir au, au spectacle que vous faites euh, bientôt. Vous avez des dates Oui, j'ai beaucoup, j'ai des dates. Oui, bon, le 22 mai, je vais jouer euh, euh, près de Libourne dans un château, au château de la Tour du Pain, Figeac, avec un corniste, donc c'est un duo corps harpe. Ensuite, euh, euh, j'ai euh, deux autres dates, euh, mais ça, ça sera dans une école, donc c'est plutôt à caractère privé, où j'accompagne un spectacle de marionnettes. Et ensuite, on aura le 15 et le 21 juin. Alors ça, ça sera pour la fête de la musique. Le 15 juin, ça sera à Molière, un dimanche à 16h. Euh, je ne sais pas très bien encore où est-ce qu'on jouera, mais de toute façon, ça sera soit sur la grande place, soit dans la salle des fêtes. Et le 21 juin, avec, alors là, euh, Arp en Périgord, les élèves, on va faire notre euh, concert de fin d'année euh, de 19h à 20h au Temple de Bergerac. Et ensuite, de 20h à 21h, là, je ferai euh, moitié solo et moitié morceau pour accompagner Chloé Lerude, qui est une soprano, le 21 juin à Bergerac, au Temple. Vous avez un, un, un groupe ce, en, en dehors Alors j'ai plusieurs ensembles. Euh, j'ai un trio qui s'appelle le trio Glinka qui est violon, violoncelle et harpe. Euh, le duo donc corps et harpe qui est le duo Meyer puisque le corny s'appelle David Meyer. Un duo flûte et harpe, le duo Aurore avec Aurore Rival. Euh, j'ai chant et harpe avec Chloé Lerut et moi-même. Euh, une journée au jardin c'est un... C'est un programme assez particulier qui est euh, des contes accompagnés à la harpe avec euh, la comédienne Eve Nuzo. et euh, qu'est-ce que j'ai encore euh, accordéon, j'ai accordéon et harpe avec euh, Christine Regla et j'ai euh, une autre flûtiste, euh, ma cousine qui s'appelle Pascal Forgerie, le duo Lily. Voilà. Ah, ça, ça fait pas mal déjà. J'aimerais bien pouvoir euh, me produire le plus possible. Donc euh, la harpe, on peut très bien jouer, et puis je suis en récital aussi, donc on peut jouer très bien se suffire à soi-même. Euh, ensuite, euh, pour attirer le plus d'organisateurs possibles et être intégré le plus possible dans leur programme de de saison ou dans les festivals, il euh, y a du répertoire pour tous ces ensembles que je vous ai mentionnés. Donc moi j'aime bien présenter l'harpe sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, euh, et, et essayer de, de casser toutes ces idées, ces idées préconçues sur l'instrument, euh, les préjugés comme quoi c'est un instrument difficile. Tous les instruments de musique sont difficiles, tout métier est difficile. Donc faut pas s'attendre à ce que ce soit euh, quelque chose qu'on joue comme ça, ça nous tombe du ciel et que tout, tout va très bien se passer. Alors c'est un, un, un instrument qui, qui récompense parce que dès le départ, on affronte une difficulté et même avec la difficulté, c'est quand même joli. Euh, donc c'est déjà un bon point pour nous. Et en plus ça, la harpe est un instrument qui est très facile à transporter, euh, contrairement au piano. Donc c'est un autre atout. Euh, L'harpe, moi je la mets dans ma grosse voiture, c'est quand même une grosse voiture, c'est vrai, mais on peut la transporter soi-même. Et ça, du coup, c'est très facile et ça devrait ouvrir des idées euh, aux personnes qui organisent des concerts pour justement euh, penser à euh, la harpe dans leur programme. Parce qu'on on est un instrument accompagnateur, mais aussi on est un instrument soliste. Oui, et, et souvent, euh, des, des nouveaux artistes euh, qui percent peuvent se dire, euh, euh, pourquoi pas rajouter un harpiste euh, dans, dans un groupe Oui, tout à fait. On s'intègre dans n'importe quel groupe, on fait partie de l'orchestre, on s'intègre dans des, euh, des ensembles de musique de chambre, euh, euh, il y a des partitions pour harpe et, et quatuor à cordes, ou quintette, ou, ou même septette avec quatuor à cordes et clarinette, flûte, euh, et j'en oubliais un... Euh, ben bah oui, bah c'est le quintet, plus de la flûte et de la clarinette. Donc on a tout le répertoire qu'il faut pour, pour s'intégrer dans n'importe quelle formation musicale. Et alors, la, la harpe en Périgord, c'était euh, au départ euh, indépendant. C'était Vous faisiez pas partie de la harpe en Périgord Si, c'est moi qui l'ai créée. Ah oui, mais vous l'avez créée. En quelle année ça Alors j'ai créé Harpe en Périgord en 2008 pour pouvoir enseigner, pour créer l'école de harpe. Aquitaine Musique, c'était pour couvrir mes activités professionnelles en tant que soliste. Euh, je ne pouvais pas, il fallait que je trouve une formule pour pouvoir euh, déclarer mes revenus en tant que professeur. Mmh. Donc, euh, l'idée a été de créer Arpent Périgord et ça s'est transformé en école de harpe. Au sein d'Arpent Périgord, vous proposez pour finir des, des stages cet été Oui, alors justement, l'aboutissement de, de tout ce, ce travail, de la création de l'association Arpent Périgord en 2008, a abouti, euh, avec ses, ses 15 à 20 élèves, à la création d'un stage de harpe à la demande des élèves. Donc, euh, avec j'ai une équipe absolument formidable qui m'a bien soutenue dans cette idée. Et on a pu, grâce à ça, euh, créer le premier stage de harpe en 2013, qui a lieu sur la commune de Pontport, euh, au château Pécani. Et euh, ça a tellement eu du succès qu'on a créé, euh, suite à ce stage, euh, un ensemble de harpes, de 6 à 8 harpes. Et du, à la suite de ce stage, on se voit toutes les semaines pour monter un répertoire d'ensemble de harpe. Et on nous a demandé à ce que le stage se reproduise et qu'il soit plus long, parce qu'ils ont trouvé qu'une semaine, c'était trop court. Donc, en août, euh, du 6 au 15 août 2014, on aura de, le deuxième stage de harpe avec euh, les mêmes personnes que l'année dernière, euh, d'autres personnes qui vont se rajouter. Et euh, donc, c'est de la prolongation de. De, ces, de la répétition des ensembles du premier stage et notre, nos ensembles s'agrandissent au fur et à mesure. Donc les concerts du, du 15 et 21, ça sera le résultat euh, du stage de 2013 avec euh, comme objectif euh, s'agrandir avec le stage de 2014. Et toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur euh, euh, le site donc, Aquitaine Musique avec toutes, euh, les, tous les renseignements sur euh, mes ensembles. Euh, les ensembles de musique de chambre, donc moi et les, mes collègues, euh, l'association Arpent-Périgord, il y a une rubrique Arpent-Périgord. Dans cette rubrique Arpent-Périgord, il y a la rubrique stage 2013-2014, et euh, les CV de tous les musiciens et tous les renseignements dont ils auront besoin. Mon numéro de téléphone, si, si on veut me contacter. Très bien. Voilà. Euh, merci. Merci aussi.